Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo fait suite de Retour des encombrants qui était déjà fait tout à l'heure. Donc c'était numéro 51, je crois. Là, c'est numéro 52. Et ce retour, ça va être essentiellement des livres et tout ce qui est papeterie. Donc ça va venir comme ça va venir. Je pense qu'il y aura plutôt... On va commencer par tout ce qui est guide, enfin les cartes routières. Et puis après, ben... les livres, la papeterie, enfin ça va être un peu mélangé. Hein. Donc je vous présente tout ça, j'ai tout rangé dans le coffret qu'on avait trouvé, il est très pratique, donc il y a plein de choses qui sont rentrées dedans. Et donc je vais commencer par les cartes, comme je vous ai déjà dit. Donc on a trouvé plein de cartes, bon les cartes je les ai pris tout simplement parce qu'ils étaient avec une dans une pochette que j'ai récupérée, le tanneur, et puis bon tout était ensemble, ce sont des cartes des années 70, des années 60... voilà, Michelin et autres. Ensuite, nous avons pareil, dans les cartes, il y avait cette jolie pochette. Je ne sais pas si c'est une marque ou pas. En tout cas, elle est très très mignon, très mignonne. Et puis là, vous avez pareil pour ranger les cartes. Donc, hop, et hop, voilà. Ah oui, si, ça doit être une marque. Ted Lapidus, tiens. C'est Ted Lapidus. Eh bien, dis donc, on a trouvé des choses de marque, quand même. Hein. Le Tanner, Ted Lapidus, Made in Italy, là, le sac, je ne sais plus quelle marque, mais pareil. Ah, Stella McCartney, eh ben. Bon, vu qu'on est parti dans la papeterie, allez, on continue. Bon, ça, c'était tout nouveau, tout neuf, donc je l'ai récupéré. C'est un petit calendrier chinois, 2014. Tiens, je ne l'ai même pas ouvert, on va regarder. On a déjà deux comme ça, mais enfin bon. Voilà. Il est joli. Ensuite, bon, je laisse ça dans la papeterie, mais on a trouvé Sharp, une autre calculatrice que la première qu'on avait déjà trouvée, je l'ai déjà vendue. Ça, c'est vraiment pour les collectionneurs ou pour les bricoleurs, parce que, à mon avis, elle ne fonctionne pas. Ou il faut que j'essaie de changer les piles qui sont normalement ici. Il faut que je trouve les tournevis. Je ne sais pas si je les ai là. Donc je vais tester, voir si ça fonctionne ou pas. En tout cas, j'ai essayé de la recharger, cette calculatrice, avec le soleil. Mais visiblement, ça ne se recharge pas avec le soleil. Et là, il y a un truc comme Computer Link. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez même la brancher à l'ordinateur, j'ai l'impression. C'est énorme. Oui. Donc voilà. Ensuite, dans la papeterie, il y avait tout un tas de nœuds papillons pour les cadeaux. J'ai récupéré. Voilà, ils sont tous neufs. Hein. Ça servira toujours pour les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire, etc. Pour faire la petite déco, on n'en achète jamais, mais bon voilà, c'est même pas la peine. Ruban tout neuf. Encore du scotch récupéré, un autre ruban cette fois-ci, ça sera plus ruban tissu, c'est quoi le... Ah non, c'est le vrai galon adhésif, voilà, je ne connaissais pas du tout. Donc pour décoration murale, bordure papier peint, spécialement étudié pour vinyle, panneau décoratif, porte encadrement. Ou pour décoration mobilier, photo, étagère, abat-jour et rayon. Voilà, bon, écoutez, hein. Tout ce qui est loisirs créatifs, vous savez très bien que je récupère. Donc, ensuite, là, on va partir donc dans les livres et essentiellement, il y a tout ça, là. Je ne vais pas vous montrer un par un parce que ça va être très, très, très long parce qu'il y a tout ça. Voilà, ce sont des petites comptines avec les cassettes, normalement. Mais moi, j'ai pas pris les cassettes, cassettes audio, mais du coup, bon, il y en a qui vont avec, Pierre Leloup, par exemple, ce sont des classiques, en fait, et en fait, ça vous est raconté par un audio, hein, et puis vous pouvez lire en même temps, voilà, ils sont comme ça, c'est vraiment très sympathique, et donc les cassettes que j'ai pu récupérer, c'est pas tous, hein, mais il y a une petite partie qui est là, voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui écoute encore les cassettes, parce qu'une fois, j'ai galéré pour retrouver déjà un magnétophone. Mais bon, c'est jamais. Puis bon, ça a été ensemble. Puis ensuite, il y avait J'aime lire, pas mal de magazines aussi. Enfin, j'ai pris en fait tout l'ensemble. Donc voilà, J'aime lire également. Donc c'est Délire, 9-13 ans.
aux éditions Boyard. Ensuite, nous avons Tom Tom et Nana, j'aime lire, donc l'impossible Tom Tom et l'impossible Nana, Bayard Poche. Voilà, en très bon état. Puis, nous avons plein d'autres petits magazines encore, ici. Je lis déjà à partir de 6 ans. Voilà, il y en a aussi un paquet. Ensuite, là on est dans les magazines. Hein. Puis je lis des histoires vraies, 6-12 ans, 8-12 ans, pardon. Voilà. Tout ça, c'est un très bon état. Bon, là, c'était ensemble, donc j'ai gardé. C'est un truc de chez Auchan, il me semble, des années 82, je crois. Ou 90, je sais plus. Non, 2002, pardon. Mais quand même, il a 20 ans. Puis, il y avait tout un tas de... les petites sorcières. Tout ça, ce sont les petites sorcières. Voilà, il y en a un paquet également. Je ne connais pas du tout ce magazine pour les enfants. Et voilà. Ce sont des petites, des petits livres, hein, comme ça. Ensuite, nous avons... vu qu'on est dans les magazines, oui, les comptines, je vais montrer quand même les comptines avec les cassettes encore. Donc, j'aime lire, pareil, toujours, hein, un prince à l'école. Nous avons celui-ci, avec une petite brochure et puis un CD. Donc ça, il faut que je teste si ça fonctionne avant de le prendre en photo. Comment le chat trouva la maison de ses rêves. Michel Le Suède, Erika Arispe. Pareil, on a eu aussi un petit livre avec une cassette. Voilà, un petit livre comme ceci. C'est sympa. Pareil, à tester avant. Et donc là, ça ne va pas être pour les enfants, mais bon, il y a quand même beaucoup de livres pour les enfants. Là, c'est plus pour les adultes, mais je vais vous les montrer quand même. Cahier de l'infirmière, diplôme d'état. Bon, je pense que ça doit être comme type formation par correspondance, comme Educatel, CNAM, etc. Je pense que ça doit être quelque chose dans ce style-là. Ça date des années 70 ou 80, je ne sais plus, je vais vous dire. 76. Donc là, vous avez par exemple obstétrique, numéro 13. Ensuite, vous avez numéro 14, néphro-urologie. Bon, ils ne sont pas tous en super bêta parce qu'il y a des fois des écritures, mais quand même, ça date. Hein. Puis vous avez gynécologie, numéro 8. Ensuite, cahier de l'infirmière, toujours foie, voie biliaire et chirurgie digestive. C'est le plus marqué, je crois. Et puis endocrinologie et diabète. Voilà, et enfin le dernier, c'est un autre style de cahier. L'autre c'était édition Marson, celui-ci c'est Malouane. Donc l'infirmière de salle d'opération, donc sous la direction de Guy Samama. Voilà, il est plus épais, il est plus grand ce cahier. Maintenant on va passer aux livres, plutôt je pense adultes parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc Screenplay, Sid Field. Le livre qui est en anglais, c'est en The Foundations of Screenwriting, a step-by-step guide from concept to finished script. En fait, c'est comment taper à la machine, je pense, à écrire. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci. Bon, on l'a pris parce qu'il était en très bon état, sinon je ne sais pas si c'est très intéressant. Cuisine chaleureuse de grand-mère, 93 recettes. C'est de l'année 2011. Bon, c'est pas si vieux que ça, mais j'aime beaucoup la présentation. C'est assez joli. Je voulais jeter, mais finalement, je l'ai gardé parce que je trouve que ça fait un peu vintage quand même. Donc, Marie O'Hara, mon ami Flick, Calman Levy, Flick, hein, ça veut dire fille. Hein. Je voulais le jeter parce que voilà, il part. La couverture part, mais j'ai gardé parce que ça date des années, je sais plus quelle année, mais je vais vous dire. 47 ans, donc c'est assez vieux quand même. Hein. Voilà. Donc je l'ai gardé. Ensuite, en adulte, nous avons Raphaël Baquet et Ariane Chemin, les Strauss-Kahn, aux éditions Albin Michel. Une histoire folle, une histoire vraie, un roman politique et social. Si vous êtes intéressé par les livres et que je lis, parce que moi je lis beaucoup, vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui s'appelle Parla Now. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et à activer la petite cloche de notification afin d'être averti des nouvelles vidéos qui sortent de mes lectures.
Voilà, c'est un très bon état. Ensuite, nous avons. Qu'est-ce qu'il y a encore en adulte? Je crois qu'il n'y a plus rien. Si, il y a deux petites poches. Donc, il y a ceci, Catherine Nave, les sept Mitterrand ou les métamorphoses d'un septonnat. D'un septonnat. Voilà. Plutôt en bon état, en plus dans la couverture de protection, ça se voit qu'ils en prenaient soin. Puis Marie Higgins Clark, Higgins Clark, ou je ne sais pas comment trop prononcer, La maison du clair de lune. Et je vois qu'il y en a toujours ces bouquins encore en vente. Donc là, c'est un vieux livre maintenant, hein. Un vieux poche des années 96. Bon. Voilà. Et puis maintenant, on va passer à tout ce qui est enfant. Il y aura pas mal de choses, de livres de la bibliothèque verte, de la bibliothèque rose, ma première bibliothèque, un truc comme ça, font des livres bleus. Il y aura pas mal de livres brochés. Voilà, on y va. Donc, un grand, grand classique de Victor Hugo, Les Misérables, texte intégral, format poche, donc chez Pocket. Franchement, un super beau livre. Hein. Vraiment, c'est un gros pavé. Hein. J'adore les couvertures. Enfin, la couverture, elle est belle et j'adore les livres comme ça. Hein. C'est superbe. Très agréable à feuilleter. Voilà, donc Les Misérables. Très belle couverture. Ça doit être la Cosette. Ensuite, nous avons donc. Je sais même pas trop comment vous présenter tout ça. Bon, ça va un petit peu. Mes premiers mots en anglais, en très très bon état, ce petit livre de chez Nathan, les éditions Nathan. Voilà, en très très bon état. Ensuite, Paul Biegel, le petit capitaine. Voilà. Chez Hachette. Très joli livre et je pense qu'il est ancien celui-là. Ou peut-être qu'il est mal conservé. Les images, je crois qu'il y en a, mais en noir et blanc. 79. Année 79. Ah, c'est la bibliothèque. Ah non. Ah non, les images sont en couleur. Elles sont jolies, hein. Les images. Et noir et blanc. Voilà. Ensuite, comme on est parti dans les livres avec la couverture rigide, donc j'ai trouvé ça super mignon, mais il est vraiment pas complet. Collection L'Étoile d'Or, série bleue. Donc, un tout petit livre, édition des Deux Coqs d'Or, Les ratons laveurs cherchent un logis. Mais, vous voyez, il est malheureusement en piteux état. Et on ne sait pas de quelle année c'est, malheureusement, mais il est tellement mignon, je le trouve vraiment super beau. Regardez-moi ça, c'est trop mimi. Il y a aussi des images de couleur. Je fais attention aux images parce que bon, les livres pour les enfants vont mieux qu'il y a quand même des images, sinon c'est pas très intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va voir ici l'année? Ah si, 69. L'année 69, quand même. Hein. Ensuite, je suis pas très bien placée. Hein. Donc, première bibliothèque des enfants, c'est ça, livre bleu comme ça, édition Emma, Les Amis de Cadichon. Voilà. En très bon état. Collection Mini Club. En général, ils sont bleus comme ça à l'intérieur. Mais toujours, on aura toujours quelque chose de marqué, de signé. Ça, c'est mignon. Bref. Ensuite, nous avons collection, la bibliothèque verte. Mais en fait, c'est un peu différent à chaque fois. Donc là, vous avez deux livres comme ça parce que vous avez les inscriptions un peu différentes. Vous voyez, ici, vous avez un gros comme ça, bibliothèque verte. Ensuite, vous avez bibliothèque verte ici écrit en jaune. Enfin bon, c'est un peu différent, mais je ne sais pas si c'est peut-être l'année qui diffère, je ne sais pas. Le Monde du Silence par Jacques-Yves Cousteau et Frédéric Dumas chez Hachette. L'année 57 quand même. C'est rarissime, hein? Enfin rarissime, je ne sais pas, mais c'est un vintage, en tout cas. Puis celui-ci, c'est de l'année 50, carrément, hein? C'est encore plus vieux. L'île au trésor de Stevenson. Voilà. Je ne vais pas vous montrer l'état pour chacun, parce que vous voyez comme ça, sinon ça va être très très long. Et donc celui-ci, visiblement, quelqu'un qui avait très très faim, donc il a rangé son livre. Donc L'ami Fritz par Erckmann Chatrian. Donc, Hachette, bibliothèque verte, il avait faim et puis il avait envie de dessiner.
Ah oui, quand même, hein. 1927. C'est vieux, hein? La vache. Donc, celui-ci, Plein ciel par Marcel Doré. Je n'ai jamais vu de si vieux, quand même, en 54. Alice et le pigeon voyageur par Caroline Kiel. Ah oui, ça c'est Alice, ça c'est complètement différent, je pense. Et ça c'est l'année 61. Puis on a une autre Alice. Là, il y en a beaucoup d'Alice. Hein. Et le talisman d'ivoire par Caroline Kiel. Ben, je pense que celles-ci, elles sont pas très vieux. 61 également. Alice et les trois à clé. Oh, celui-ci, malheureusement, oh, je crois qu'il est pas tout à fait complet. Alice et les diamants. Je me demande si on n'a pas des doublons parce qu'on en a déjà pas mal d'Alice. On a pas mal déjà de bibliothèques vertes. L'année 63. Il a quand même 59 ans. Hein. Alice et le pickpocket. Ici, nous avons l'année 63. Celui-ci me parle, Alice et le flibustier. Je crois qu'on l'a déjà, celui-ci. Celui-ci est plutôt en bon état. 56. C'est étonnant, hein, comment les livres plus vieux et sont mieux conservés que les plus récents. Alice et l'ombre chinoise. 65. Alice et le vase de Chine. 66. Alice et les faux monnayeurs. Lui, je pense qu'on l'a déjà. Donc ça, c'est l'année 68. La malle. Alice et la malle mystérieuse. L'année 68. Voilà, celles-ci sont vraiment, ceux-ci sont vraiment plus récents quand même. Hein. Alice et la diligence. 69. Voilà. Alice, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la bibliothèque rose. Et là, nous avons donc Le mystère de Monsieur Personne, série mystère Enid Blyton. Oh, voilà. Et là, nous avons l'année 61. Pas très âgé, ça. Le mystère du carillon. Pareil, le même auteur, quelqu'un qui s'est très très bien amusé. Pourquoi dessiner dans les livres? 59. Comtesse de Ségur, les mémoires d'un âne. Ça c'est un grand classique, ça. Là, l'année 30. Année 30, vous vous rendez compte? 90 ans le bouquin. Il a 90 ans. J'ai bien compté, 70. C'est ça, 90, 92. Waouh, c'est vieux, hein? Bibliothèque Rose, Cécile Aubry, Pouilly en Espagne. Ça, je sais pas quelle année c'est. Ça, c'est l'année 72, c'est le plus récent. Ensuite, on continue dans la bibliothèque rose, mais cette fois-ci, c'est un format un tout petit peu différent pour passer à une autre bibliothèque. Je vais vous présenter celle-ci. Donc, il y en a trois comme ça de la bibliothèque rose, mais c'est un autre format. Donc, ici, Georges Cholet. Tous les livres sont de Georges Cholet. Là, vous avez Fantômette et les 40 milliards, Fantômette contre Fantômette, et Fantômette et le masque d'argent. Voilà. Et ces livres-là sont en très bon état. Et ils sont pas très vieux, je pense. Édition Hachette, l'année 63, non, librairie Hachette, et puis Hachette Livre 95 pour la présente édition. 95 l'année. Je pense qu'on ne va pas regarder les autres, à mon avis, ça doit être à peu près pareil. Donc, je vais quand même regarder, je suis curieuse. Hein. 92 et 92. Voilà, dans les fins encore, il me reste cela, donc Kit Pocket des 10 ans, celui-ci. En très bon état, je trouve, à moins que j'ai dû rater quelque chose. Je verrai en faisant des photos.
L'année 72, non 96, voilà. Et puis il y avait deux comme ça me parle aussi un petit peu ça, 6-7 ans, les vocabules et la chèvre noire, sinon fête son anniversaire. Oh, ça, c'est pas très vieux tout ça. 96, voilà. Puis, comme on reste un petit peu dans la bibliothèque, il m'en reste encore deux. Ça, c'est rouge et or, deux fines. Voilà, deux comme ça, ils étaient protégés. J'ai retiré les plastiques parce que c'était dégueulasse. Donc, ce beau temps-là par Bourléaguier. Parce que vous voyez, quand les gens ils protègent les livres, c'est très bien. Mais après, en fait, le scotch, en vieillissant, bah, il bouffe le bouquin et puis la colle reste. Ça, c'est l'année 58. Très joli livre. Hein. Moi, j'adore les images comme ça. C'est tellement beau, je trouve. Non, mais franchement, c'est trop beau. Et puis celui-ci, donc, le club de l'espace, Michel Bourguignon. Ça, nous avons l'année 59. Donc 58 et 59. Ensuite, je ne fasse pas tout tomber. Plou. On a Folio ici. Bon, là, je ne vais pas dire les années parce que ça se voit que c'est tout récent. À partir de 11 ans, Jacqueline Wilson, mon amie pour la vie. Puis nous avons la collection, enfin la collection, hein, deux petits livres, Chair de poule, d'Austin, Le printemps maléfique, passion de lire, donc voilà. Et puis l'horloge maudite de Austin. Bah, c'est le même auteur en fait. Hein. Voilà. Il faut que je regarde l'état, s'il est bon. Comme ça, on dirait que c'est le bon état. Et là, c'est un état moyen, donc c'est Harry Potter. Il paraît que c'est pas la totalité, donc Folio Junior, Folio Junior. J'avais jamais lu Harry Potter. J'ai vu le film, mais je suis pas une grande fan d'Harry Potter. Je sais. Il paraît que je fais les écharpes Harry Potter. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, allez faire un tour dans ma boutique Etsy. Les liens sont tous en barre d'infos. Et parfois, ils sautent ici, là, dans le petit i. Donc là, vous avez Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban. Vous avez Harry Potter à l'école des sorciers. Et vous avez Harry Potter et la chambre de secret. Peut-être si je lisais le livre, j'aurais plus apprécié que le film, je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je lise un jour. Ensuite, on a des livres brochés, donc livres en grand format. Ici, je pense que c'est que pour les ados, je ne suis pas sûre, mais il me semble. Donc, les Nardbardi, la clé des sources. Et il y en a la plupart en super bon état. Voilà. Un comme ça. Ensuite, les chroniques du bout du monde, le dernier des pirates du ciel, tome 4. Malheureusement, il n'y en avait pas d'autres. Mais bon, il est quand même en super bon état. Ensuite, le pacte des Marcombre, Pierre Bottero, Elana la prophète. Elana la prophétie. Comment il est beau, la couverture, elle est belle. Le vernis sélectif, là, c'est vraiment magnifique. Hein. Très jolie la couverture. Ça brille par endroits. Waouh, c'est vraiment un beau livre. Hein. Il est en très très bon état. Ensuite, ça, je ne sais pas trop si c'est pour les ados. Je pense que c'est plutôt pour les adultes, donc c'est le seul qui est là. Stan Nichols, La Légion du Tonnerre. Roman. Voilà. Bon état en général. Et puis là, en fait, ça, c'est une série de livres. Il y en a un doublon. Mais sinon, tout ça, c'est de la même série. C'est magnifique. Ils ont les couvertures magnifiques. Regardez, c'est pas seulement le vernis sélectif, mais c'est aussi un petit peu bombé. Ça ressort un petit peu du livre, enfin le titre. C'est trop beau. Le clan des Autoris. Ça, c'est le livre 1. La tranche, regardez, il est plutôt en bon état. Hein. Puis nous avons l'aîné. Ça, c'était Le silence du Rossignol. Je ne sais pas si un jour je tenterai de le lire avant qu'on le vende. Donc, ce sont des livres de Liam Hearn. Là, nous avons les neiges de l'exil. Faudrait peut-être que je tente. Ça me donne envie. Franchement, tellement c'est beau. Les couvertures, elles sont magnifiques. La clarté de la lune. Elles sont trop belles. Là, le deuxième. Donc, il y en a deux. Il y en a un qui est un mauvais bon état, moins bon état que un mauvais bon état, un moins bon état que l'autre. Et le vol du héron. Voilà. Non, mais c'est juste un œuvre d'art. Hein.
Franchement, les livres comme ça, mais ce sont des pavés, hein. 600 pages environ. C'est quand même écrit petit, hein. Voilà, je pense que c'est un peu trop fantasque, peut-être pour moi, mais bon, peut-être si un jour je suis tentée. Le souci, c'est que dès que je suis tentée, je vais m'acheter les livres parce que je n'aime pas lire après quelqu'un. Ça, c'est vraiment mon truc. Je me sens incapable de lire après quelqu'un. Je n'arrive pas. Je suis trop précieuse. Mais bon, vu qu'elles sont en très bon état, on verra bien. Et tout ça, d'ailleurs, c'est aux éditions Gallimard. Franchement, chapeau Gallimard de faire des couvertures de ce type-là. Et de quelle année ça date, le tout dernier? 2007. Bon, il a quand même 3-15 ans quand même le bouquin. Hein. Mais bon, franchement, ils sont un super bon état quand même pour 15 années de vie. Voilà, sur ce, écoutez, c'était tout. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas à commenter si vous connaissez les bouquins que je viens de vous présenter, si ça vous intéresse, etc. Pareillement, si vous êtes intéressé par la lecture et les langues étrangères, soyez bienvenue sur ma chaîne Parlanao. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!